Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Fagi Ben Hana, Janine Louis Ben Fakil Mazal Fritna, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles, nous, sinon, on va se retrouver le Jin Perek Bet, Mishna, hey! Avec Adèche Adèche Almenat Chanale, Anedarim, Venim Tsuwale, Anedarim, et la Mekoudeshet, Kena Sastam, Venim Tsuwale, Anedarim, Tetse, Shalom, Bekuba. Almenat Chanale, Amoumin, Venim Tsuwale, Amoumin, et la Mekoudeshet, Kena Sastam, Venim Tsuwale, Amoumin, Tetse, Shalom, Bekuba. On a une Mishnah qui était enseignée intégralement dans ces mêmes termes, dans Maseret Ktuvot, Perikzaïn Mishnah Zaïn. Dans Maseret Kiddushin, on la rapporte parce qu'on parle en partie des Kiddushin. Dans Maseret Ktuvot, on la rapporte parce qu'on parle en partie des Dinei Ktuvot. Donc du coup, alors je traduis déjà le cas, c'est très simple. D'abord je traduis, après on explique, ça va aller vite. Amekadesh Adaïcha, celui qui marie une femme, Almenat Chenela Nedarim, à condition qu'elle n'ait pas prononcé des Nedarim, qu'elle n'ait pas des Nedarim sur elle. Benim Tsuwa le Nedarim, et en réalité elle a fait des Nedarim, eh bien, elle ne sera pas mariée. Soit, je suis Makbid sur la femme avec qui je me marie, je ne veux pas me marier avec une femme qui prononce des Nedarim à tout bas. Et donc, je la marie à condition qu'en ce moment elle n'a aucun Neder. D'accord? C'est quoi des neder? C'est qu'elle s'interdit des choses. Ouais, elle a une tendance à trop manger, donc de temps en temps elle a des crises, elle va pas manger de chocolat pendant 3 semaines, elle va pas boire du coca pendant 10 jours, et ainsi de suite. Et moi, les gens comme ça, c'est sympathique, parce qu'au moins, elle fait attention à ne pas trop grossir, c'est peut-être intéressant, mais le problème, c'est que quelqu'un qui prend des nedarim et qui les transgresse, c'est très grave. Il y a marqué, Chas v'Shalom, que du ciel, celui qui jure a tort. Qui jure, qui prend sur lui des choses en jurant et qui ne les accomplit pas, ou qui fait des nedarim sur lui et qui ne les accomplit pas, Chas v'Chalila, ça s'en prend aux enfants. Donc du coup, il veut pas se marier avec une femme qui est nadranite, il se marie avec une femme à condition qu'elle n'ait pas des nedarim. Et en fait, il la marie et puis il découvre le soir du fiançailles, du mariage, qu'en réalité, elle a des nedarim. Après l'avoir, d'abord, avant le fiançailles. Non, on a pris le fiançailles, c'est donc il a fait les kiddushin. Le fiançailles de l'époque, bien sûr, qu'on acquiert là. Et en réalité, il apprend 3 jours après qu'elle avait des nedarim. Et bien, il lui dit, écoute-moi, ma chère, t'es toujours pas mariée, parce que, selon un principe, je t'ai mariée dans un certain cadre. T'es hors du cadre, donc t'es pas mariée. Moi, j'ai marié Rachel, et tu t'appelles Josiane. C'est pas ma femme. D'accord? C'est le même principe. D'accord, j'ai voulu avoir affaire avec une certaine personne qui a pas des nedarim. Je l'ai posé comme condition explicite. Dans ce cadre, il y a les kiddushin. À l'extérieur de ce cadre, t'es plus ma femme. T'es pas ma femme, non, t'es pas mariée. Ok? Maintenant, nouvelle situation. Je l'ai fiancée au début. Avec condition. Mais après, Knasastam est arrivé le jour de la choupa. Le jour après, la choupa, on est là-bas, tout heureux, tout bien habillé, tout souriant. Et là-bas, je précise pas que je lui fais la choupa en maintenant la condition que j'avais initialement. Donc je suis Knasastam, Anikonesotam, je la fais entrer chez moi maintenant, quand ça devient les Nisouin, le mariage concrètement. Mais puis après coup, le lendemain, je réalise, je dis, tiens, j'ai préparé un petit déjeuner, j'ai amené du coca. Ah non, je ne peux pas du coca depuis 4 mois, j'ai fait un Neder. Je dis, mais attends, je t'ai bien posé comme condition, pas Nedarim. Alors c'est vrai que les Kiddushin, je les avais fait avec condition, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, hier soir, quand je l'ai marié, j'ai pas refait la choupa en précisant le neder, donc peut-être que j'ai annulé le vœu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien dans ce cas-là, tetsé shelo biktuba. Je devrais la divorcer, lui donner un guet, mais sans avoir besoin de lui donner la ktuba. Je donne pas la ktuba parce que d'abord, si j'ai précisé que je voulais pas des nedarim, alors c'est la condition sine qua non qu'elle n'ait pas des nedarim au moment où je l'ai mariée. Maintenant, il s'avère que concrètement, je me suis marié avec elle. On a déjà passé la première nuit ensemble en se mariant. Et là, on a une chazaka, que dans la mesure où je n'ai pas précisé que je maintenais le tenaï, c'est parce qu'en réalité, c'était très important pour moi, pour n'importe quel homme, de ne pas avoir un rapport avec une femme sans sens. Un adam aussi beilato beiladzinut, un homme ne veut pas avoir un rapport avec une femme de manière occasionnelle. Il veut de la manière propre et gdosha de la Torah. Donc du coup, c'est sûr au moment où il s'est marié, il n'a pas précisé le tenaï parce qu'il a voulu quand même, au cas où, qu'elle est quand même un éder, qu'elle soit sa femme malgré tout. Donc il a eu l'intention quand même de l'acquérir, de manière à ce qu'il n'ait pas fait juste un rapport occasionnel et ponctuel. Il a voulu avec une femme. Mais d'un autre côté, sa kpeda, le fait qu'il ait
pointue sur ça qu'elle elle reste en vigueur. Et dans ce cas-là, il a un droit de réclamer de la divorcer, et même sans lui donner aucune ktouba. Parce que tout était clair que malgré tout, il ne veut pas qu'elle ait une. D'accord ? Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est la même idée, cette fois-ci avec des moumines, avec des défauts. Ouais, je la marie à condition qu'elle n'ait pas de défaut. Almena tchen alea moumin. Il l'a mariée à condition qu'elle n'ait pas de défaut. Venim tseou ba moumin. En fait, il s'avère qu'en réalité, elle a des défauts. Elle les avait camouflés. Elle avait sans arrêt des chaussures fermées, mais il lui manquait un petit doigt. Ou peu importe, d'accord. Et bien dans ce cas-là, j'ai posé la condition, almena tchen alea moumin, qu'elle n'ait pas de défaut. Venim tseou ba moumin. En réalité, on réalise qu'elle a des défauts. Et bien, un amoukou de chef, elle ne sera pas fiancée. Ça, c'est quand je l'ai donné Kiddushin. Par contre, Knasastam, si je l'ai ensuite, après avoir fait les Kiddushin avec condition, je l'ai ensuite entré chez moi, on a fait les Nisuin, on a fait la Khoupa, on a déjà passé la première nuit ensemble, et puis, Venim Tseou Bamouvin, et ça veut dire qu'en réalité, elle avait des défauts. Le lendemain matin, elle marche pieds nus, quatre doigts, on dirait un canard. Alors quoi? Alors, Knasastam, Venim Tseou Bamouvin, et je la marie Stam, et puis après je réalise qu'en fait elle a un défaut. Et bien dans ce cas-là, Tetsé Sholo Ktouba. Je devrais la divorcer, on ne dira pas que non, tu la maries avec condition. Parce qu'étant donné que je n'ai pas répété la condition au moment de la Khoupa, ça signifie que j'ai été mévater, j'ai pardonné la condition dans la mesure où je ne vais pas avoir un rapport ponctuel avec une étrangère, je voulais quand même avoir un rapport dans le cadre de la Gdoucha avec ma femme. Mais d'un autre côté, de nouveau, Makpeda, le fait que je suis Makpid sur ça, que je suis pointueux, méticuleux sur ça, ça, elle reste en vigueur. Dans ce cas-là, je devrais la divorcer, te donner un guet, mais sans avoir l'obligation de lui donner la ktouba. Maintenant, quand tu dis avoir un défaut, c'est quoi un défaut? Peut-être qu'en fait, et s'il avait une petite égratignure sur le doigt de pied, peut-être aussi, qu'est-ce qu'on fait entrer dans ce cadre? Alors sur ça, la Mishnah conclut en me disant « Kol ha-moumin ha-posin ba-kohanim, posin ba-nashim » Tous les défauts qui invalident chez les Kohanim, ils sont évoqués d'ailleurs dans le Ktubot, qui invalident dans les Kohanim, c'est-à-dire que les Kohanim avec lesquels ils ne peuvent pas travailler, il y a toutes sortes de choses, les yeux larmoyants constamment, toutes sortes de défauts qu'on pouvait pas les voir, en réalité bien sûr, parce que si c'est des choses qu'ils pouvaient les voir, c'est sûr qu'ils les a vus, et soit les acceptés, soit les pas acceptés, et bien, tous les défauts qui invalident chez les Kohanim pour la Voda, ils invalident aussi pour la femme, pour Sinim Banachim. Et donc il ne pourra pas dire, ah mais elle avait un énorme grande beauté de 9 cm de diamètre sur le tibia. D'accord? C'est pas un défaut qui est invité dans la Kohanim, si c'est pas un défaut qui est invité dans la Kohanim, c'est pas une bonne raison pour dire que c'est un défaut. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.